Eh bien, le bonjour à tous, c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Persona 3 Reload, la 7e vidéo pour être plus précis. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, je vous les conseille et si vous en êtes au même stade que moi, eh bien, nous allons continuer notre petite aventure. Donc, nous chargeons notre fichier et nous étions restés ici. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à faire au centre commercial. Donc du coup, je vais aller voir la salle d'arcade s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Bah, Home of the Dead pour aller. Ouais. Pour aller gagner en courage. Parfait. On passe au jour suivant et ça va être la pleine lune. Salut Mamma Mia. Comment tu te portes? Tu sens que tu es plus fort après chaque combat? Ouais, beaucoup. Super, continue comme ça. Continue à t'entraîner. Avec une expérience pratique du combat, tu seras prêt à affronter n'importe quoi. Je serai de nouveau sur pied d'ici peu, alors tu pourras compter sur moi pour être en première ligne. Mais ne baisse pas ta garde juste parce que tu sais que je couvre tes arrières. Très bien. Les cours ont pris fin. Il y aura une pleine lune ce soir. On m'a averti à propos de ce jour. Je me demande s'il va se passer quelque chose. Je devrais rentrer au dortoir au cas où. Eh oui, parce que en phase de pleine lune, eh bien, on va avoir une petite épreuve à faire. Phew. You're still at it? Tu continues? Yes. Oui, You on ne never sait know when jamais an enemy quand might l'ennemi appear. peut arriver. But Mais je I croyais que tu thought you pouvais couldn't pas scan analyser outside hors of de Tartarus. Tartare. To À be dire vrai, honest, je I manque am de puissance dans indeed cette zone. lacking in that. Maybe C'est this is peut-être the même best mieux que Penthesilea can do in Penthesilea terms of puisse data collecter gathering. comme données. Though I must Mais je say, dois the reconnaître que le power of pouvoir des Persona Persona seems to semble be much bien more plus diverse diversifié que than je I once l'estimais. thought. We even Nous have avons même someone who can quelqu'un qui switch peut changer de personas when persona en plein limited to combat. battle. There's something Sa capacité special about est this spéciale, ability, and it hasn't even d'autant que been son that éveil long est since assez its récent. awakening. Oui, ça m'a surpris aussi. Yeah, I was surprised too, Mais but au in the final, end, lui seul est capable de it's up réaliser to son him plein whether or not potentiel. he reaches his full potential. It's a Une shadow. ombre. What? Quoi? T'en as You vraiment actually trouvé found une? Attends, quelque chose cloche. Something's not C'est bien right. trop gros. I've never Je n'ai jamais detected an détecté enemy of d'ennemi this de cette size. taille. Attends, il est comme les normes Is du it mois like that dernier? cute? Je I think. crois. Bien, ça Oh, well, promet d'être then. amusant. I'll wake up Je the vais réveiller others. les autres. We're here. On est là. Where is Où elle est? Je I'll vais l'anéantir. rip it a new one. Nous avons détecté une ombre hors de Tartare. C'est à vérifier, sure, mais ce pourrait être une grosse, autre grosse ombre comme le mois dernier. Il faut vaincre au plus vite toutes celles qui sont hors de Tartare. Les gens ignorent peut-être l'existence de leur sombre, mais si la ville est détruite pendant cette période, il persistera des incohérences. Autrement dit, il faut botter des fesses, c'est ça? Comptez sur moi. Junpei. Akiko, reste là et attends le directeur. Quoi? Tu rigoles? J'y vais. Tu dois encore récupérer. Dans ton état, tu ne ferais que nous gêner. Tu as dit quoi là? Ils s'en sortiront mieux que toi dans ton état actuel. Aie confiance en eux, Akiko. Ils ont déjà combattu. Bon sang. Détends-toi. Je m'en occupe. J'imagine que j'ai pas le choix. Mamma Mia, tu es aux commandes. Encore lui? Tu peux t'en charger? Je ferai de mon mieux. Bien, on compte sur toi. À ce rythme, tu devras jouer les chefs pour toujours. Je m'en fiche de toute façon. Tu devrais laisser ces trois-là partir devant. Tu dois te préparer, pas vrai? Oui, retrouvons-nous devant la gare. Entendu. Ok, allons-y.
she? Où est-elle? She'll be here soon. Elle sera bientôt là. There's a full moon tonight. C'est la pleine lune ce soir. Looks even creepier c'est during encore the plus dark glauque hour. À l'heure sombre. Hein? Qu'est-ce que... Sorry to keep you waiting. Merci de m'avoir attendu. Listen carefully. Écoutez bien. Ce soir, je vous soutiendrai d'ici. Pour tout le reste, rien ne change. L'ombre est actuellement à l'intérieur d'un monorail, près de la gare. Pour y aller, vous devrez marcher sur les rails. T'es sérieuse? C'est pas dangereux? Pas d'inquiétude. L'électronique ne fonctionne pas durant leur sombre. Ça va aussi pour les trains. Mais ta moto... Elle a été spécialement conçue pour ça. Bon, si la situation évolue, je vous préviendrai immédiatement. Allez, c'est parti. Ouais, à nous de jouer. Allez, c'est parti. La vache, c'est super haut. Je crois que je vais gerber. Qu'est-ce que... Il devrait y avoir un monorail à 200 mètres de l'endroit où tu te situes. Dirigez-vous là-bas au plus vite. Il ne faudrait pas que des passagers soient blessés. C'est ici, non? Vous m'entendez tous? Oui, parfaitement. On vient d'arriver, mais je ne vois rien qui sort de l'ordinaire. Les données émanent clairement de ce monorail. Avancez prudemment et restez groupés. Entendu. Ma persona a envie de se battre. Entrons alors. Ne t'avise pas de regarder. Ouais, je sais. Mais te fâche pas si j'aperçois quelque chose. Dis, Mamma Mia, et si on creusait une belle tombe pour Junpei? C'est une personne, pas vrai? Un passager? On l'a transmuté, ça fout les jetons. Mais ils se souviendront de rien de tout ça, hein? C'est probablement mieux comme ça. Oh oh! Hein? Rah, ça veut pas s'ouvrir. Quoi? Que s'est-il passé? On dirait qu'on est piégé à l'intérieur. Ça doit être long. Elle sait que vous êtes là. Soyez parés à toute éventualité. Restez en alerte. Compris. Allez, c'est parti. Au niveau persona, on va mettre Jack Frost, voilà, comme ça. Et alors juste comme ça, pour une fois changé, on va se mettre en uniforme de Shujin pour représenter P5. Et voilà. Comme ça, on change un peu. C'est trop silencieux. Hein? Où sont toutes les ombres? Mince, j'étais dans les starting blocks. Oh oh! Elle est là. Hey, reviens ici! Pas si vite. L'ennemi agit bizarrement. J'ai un mauvais pressentiment. On va perdre sa trace si on la poursuit pas. Mamma Mia, c'est toi qui décides. Que penses-tu de la situation? Moi je dis, on devrait être prudent. Je suis d'accord. Il serait imprudent de la poursuivre à l'aveugle. C'est dangereux, et alors? On peut pas rester là et la regarder s'enfuir. On peut battre ce truc sans problème. Je m'en occupe, allez. Junpei, attends! Attention, derrière vous!
Ok, du coup. Dégâts de lumière. Ok. Il a fait le jeu de l'ennemi. On est impuissant pour le moment. Rattrapez-le ou vous serez éliminés les uns après les autres. Bon sang, Junpei, à quoi tu penses? Je peux voir qu'il n'a que quelques wagons d'avance. Ok, on le rattrapera pour... Ah, dégagé! Du coup... Bien. Oh bah, faible à la foudre. Parfait. Qu'est-ce qu'il a, Junpei? Il s'est passé quelque chose? Je sais pas. Yeah. Junpei a agi bizarrement, non? Pourquoi il s'est emporté comme ça? Bon, on lui demandera quand on l'aura rattrapé. En route. Ah bah, il est là. Bon. Le voilà! Oh non, il est encerclé par les ennemis. Il faut l'aider, vite! Junpei! Tout est sous contrôle. Mamma mia, allons-y! Tu vois ce qui arrive quand tu n'écoutes pas. Tu vas bien? Bien sûr. Je m'en sortais au poil. C'est quoi ton problème? Prudence, vous trois. Je ne détecte rien, mais faites attention. Oh oh. Quoi? Mais que... Pourquoi on bouge? Visiblement, tout le monorail est contrôlé par l'ombre. Quoi? Bon sang. Ça craint un max. Si on ne fait rien, il va percuter l'autre train. Percuter? Qu'est-ce qu'on va faire? Calmez-vous et écoutez. Je détecte une forte présence en tête de train. Ce doit être notre cible. Vous devez la battre pour pouvoir arrêter le train. Bon sang, c'est quoi ce train de la mort là? Alors.
poison. On va voir le feu parce qu'il a fait des attaques de glace. Parfait. Ok. Pas le temps, fouiller. Ok, allez en tête de rame. Alors attends. On va bientôt arriver face à un boss. Du coup, je m'équipe de Jack Frost. Pour une bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Le train accélère? Allez. La cible principale est juste devant vous. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti pour notre premier gros boss. Et on est timé en plus. Donc il faut se dépêcher. Allez, hop. On va d'abord réduire son agilité, sa précision, bref. Voilà. Alors, Garou. Tempête de glace. Allez, c'est parti. On va faire un petit coup de soin. Alors, agression. Invitation au chaos. Le monorail commence à trembler. Elle a accéléré le monorail. L'impact aura bientôt lieu, dépêchez-vous. Ah ouais, d'accord. Invocation. Alors, attends. Ouais, ok. Ah, t'es faible au feu. Ok.
précision, esquive restaurée, Bufula. Waouh. Ok. D'accord. À mon avis, elle résiste à la glace puisqu'elle invoque de la glace. Donc on va pas envoyer de la glace. Invocation. Ok. On va faire Agi. Invitation au chaos. Le monorail tremble encore plus. Alors. Personne a... Normalement j'ai un truc voilà. On va baisser sa défense. Let's go. Parfait. On augmente niveau 12 tous les 3, Aramitama passe niveau 10. J'ai l'impression d'avoir gagné en puissance. Mario Mamamia a gagné en puissance, vous pouvez maintenant posséder jusqu'à 8 personnages à la fois. Let's go! Et on apprend boosterage. Cool! On l'a vaincu, attends. Hey, pourquoi on bouge encore? On va trop vite. Il faut freiner, sinon... Mais qu'est-ce que vous attendez? Votre train se rapproche, et vite! Bon sang. Je sais pas comment arrêter ce truc. Je m'en occupe. On s'est arrêté? Je crois. Vous m'entendez? Tout le monde va bien? Ouais, ça va. J'ai la tremblote. Sérieux, je suis trompé de sueur. Ouf, vous avez l'air d'aller bien. Désolé si je n'ai pas pu plus vous aider. Je ne détecte plus aucune ombre. Beau travail, vous pouvez rentrer. Attends, comment tu as su laquelle était le frein? J'ai agi à l'instinct. Tu m'as encore sauvé. Merci. Tu sais quoi? Oublie. Ça vous dit d'aller manger un bout? Je crève la dalle. Notre équipe a encore survécu à un périlleux combat. La confiance qui nous unit tous s'est encore renforcée. Allez, l'arcane du mât qui passe au rang 3. C'est moi. En direct des lieux. On vient de terminer. Le monorail n'a pas subi de dégâts notables. Tu as accompli la mission avec brio, Kirijo. J'ai craint le pire en apprenant qu'elles avaient piraté un monorail. Tu as fait un excellent travail. Je n'ai plus à m'inquiéter de la une des journaux demain. C'était un travail d'équipe. Tout le monde a beaucoup appris, très rapidement. Que passe bien manigancer les ombres? C'est la première fois qu'elles craignent le contrôle d'un train. Ça devient ingérable. Je vais me pencher sur la question. Ça veut dire que ça a commencé? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Étudions leur comportement pour détecter un schéma ou des indices. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que l'ennemi fasse le premier pas. Si seulement j'étais plus puissante, ce serait plus simple pour les autres. Ne te fustige pas, tu te débrouilles très bien. Plus important, as-tu quelque chose à boire, Sanada? Quoi? Vous semblez épuisé, Ikutsuki. Pourquoi? Minute. Me dites pas que le vélo dehors est à vous.
Je vais le sentir passer demain. Le garçon dans mon rêve m'a parlé d'une épreuve. Sa prémonition s'est concrétisée. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. L'épuisement m'empêche d'y réfléchir normalement. J'irai me reposer dès que je serai rentré au dortoir. Et donc voilà, on a terminé notre première épreuve, entre guillemets. Oh, Mamma Mia, tu as pu te reposer après la nuit dernière? Je suis désolé pour tout ça, mais je compte sur toi. Et ne t'en fais pas, Akihiko reviendra en première ligne très bientôt. Sinon, n'oublie pas que les examens approchent. Tu pourrais peut-être te détendre un peu aujourd'hui. Alors, je n'en reviens pas d'être encore en vie. Sans toi, je suis sûr que je serais morte. Alors merci. Les gens dans mon oreille ont dû avoir une peur bleue. Il était super loin de son parcours après leur sombre. Je pense que peur bleue est un sacré euphémisme d'ailleurs. Alors, bien joué hier, et désolé, si j'y étais allé, jamais tu n'aurais été exposé à un tel danger, mais je ne peux rien faire d'autre que subir, c'est frustrant. Mais je serai de nouveau sur pied dans moins d'un mois, c'est certain. C'est ma propre incompétence durant l'opération qui nous a mené à une situation difficile, pardon. Inutile de t'excuser, c'est gentil de dire ça, mais même si tu me pardonnes, je ne pense pas en être capable, moi. Dans l'hypothèse qu'une situation similaire survienne, je te promets que je serai plus forte cette fois. Nos stress, on a géré ça, tranquillou. La vache, j'ai vraiment cru qu'on allait tous y rester hier. Mais tu nous as sauvé la mise en freinant. Je suis content que t'aies été là. Ça fait du bien d'être en vie. Mais oui, tout va très bien. Bon. Niveau des messages, nouveau message de Maya. Je vais me call là. Ouais, tu vas te call là. Mon petit Mario, une nourriture cérébrale utilisée, travailler au cinéma. Ok, ok. Alors. Donc, il y a le dortoir. On peut faire avec ça. Mitsuko et Bunkichi. Oui, 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 tout à fait. Ouais, on peut augmenter le lien social. Mais maintenant, le lien social de qui? Alors, le lien social, on est au rang 3 avec le couple. Et on est au rang 3 avec Maya. Ouais, vas-y, on va aller avec Maya, je pense, à mon avis, je pense. Ouais, je pense qu'on va aller avec Maya. Du coup. Petit Mario, passons voir la boutique. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Passer du temps avec Suemitsu, passer du temps avec Maya, passer du temps avec le vieux couple. Ah ouais, hein. La majorité font des liens sociaux. C'est logique. C'est logique. Bon, bah moi je crois que je vais passer du temps avec Maya parce que, en fait, avec le couple âgé, on peut les voir tous les jours sauf le lundi. Tandis que Maya, on peut la voir que pendant les jours de congé. Donc, à mon avis, on va aller voir Maya. Du coup, on va retourner dans notre chambre. Ah oui, on peut aussi aller au truc de Tanaka. Parce qu'on est dimanche. Alors, du gel antibiotique. Gelée de sève. Tout ça pour 3980 yens. Est-ce que je vais acheter du gel antibiotique? Non. Je pense qu'on peut s'en passer. Alors, allons au bureau. La fenêtre de chat clignote. Allez, on joue au Meporg. On joue au Meporg. Je me lasserai jamais des OST de ce jeu. C'est fou. Je suis dans le donjon Shinagawa. Maya n'est pas connectée. Je suis à la bourre. Je vais revenir, ok?
Maya est entrée dans la zone. J'étais au hôtel avec ma mère, c'est pareil chaque fois qu'on parle. Elle arrête pas de me harceler pour que je me marie. En quoi c'est son problème? Il te faut un copain d'abord, on n'a qu'à se marier alors. Ouais, vas-y. On n'a qu'à se marier alors. Pour rire. Même si tu m'as jamais vu IRL, je suis tout à toi, Tatsuya. Maya a l'air heureuse. T'inquiète, j'ai pas dit mon dernier mot malgré mon âge, lol. C'est sexiste de penser qu'une femme peut être heureuse qu'en étant casée. L'autre nuit, j'ai un peu trop bu et je me suis endormi au Polonia. Et un vieux me fait « Vous trouverez jamais un mec dans cet état, Arc. » Je lui ai dit de FZH, donc fermer sa gueule, sérieux. Bref, Osef, désolé, j'ai un peu digressé, je suis fatigué, mais je me sens mieux maintenant. Tiens, Tatsuya, c'est pour toi. Maya a soigné Tatsuya avec une potion, mais cela n'a eu aucun effet. Oh, t'avais déjà le max de PV, MDR. En tout cas, merci de m'avoir écouté me plaindre. Je crois que Maya s'ouvre à moi, j'ai l'impression qu'on se rapproche. Let's go! C'est le vieux con dont je t'ai parlé traînant au Polonia. Si tu le vois, sois pas sympa. Je l'ai vu dans une émission Zarp trop glauque. Sur ce, je vais aller m'entraîner à bichonner mon futur mari Tatsuya. Maya s'est déconnectée, j'ai entendu parler d'un type de la télé qui va au centre commercial Polonia la nuit. J'ai décidé de me déconnecter aussi. Ouais, je sais de qui il parle. Je sais de qui il parle. Ah oui, c'est vrai qu'Elisabeth peut nous parler au téléphone. Allô, Elisabeth à l'appareil. Peux-tu venir dans la chambre de velours, je te prie? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Allez, eh ben, on va aller lui faire un petit coucou. Elisabeth m'attend dans la chambre de velours. Je me demande de quoi elle veut me parler. Je devrais sans doute aller au centre commercial Polonia. Je vais me rendre à l'entrée de la chambre de velours. Bon, très bien. Ah bah. Pardon de t'avoir fait venir dans un délai aussi court. En vérité, j'ai une faveur à te demander. Je suis à la recherche d'une personne aux compétences exceptionnelles. Si tu as le temps, que dirais-tu d'effectuer mes requêtes? Je te demanderai parfois de m'escorter lors d'excursions spéciales. Tu seras bien évidemment récompensé pour chaque requête terminée. Je compte sur ta coopération et j'espère vite te voir faire tes preuves. Je peux désormais accepter les requêtes d'Elisabeth. Alors, requête d'Elisabeth. Vous pouvez désormais parler à Elisabeth pour accepter des requêtes et faire votre rapport. Les requêtes peuvent impliquer de chercher des objets ou encore de fusionner des personnages spécifiques. Vous recevrez une récompense à chaque requête terminée. Une vague de nouvelles requêtes peut arriver à certaines périodes de l'année. De plus, certaines ne s'obtiennent qu'après avoir terminé certaines requêtes précédentes. Certaines requêtes ont une date limite. Si vous la manquez, la requête expire et vous ne pourrez plus l'effectuer. Je te prie d'y jeter un coup d'œil. Alors... ajouter une personnage de niveau 13 ou plus. Ouvrir 50 coffres. Apporte-moi une boisson protéinée. Éliminer sans ombre. Apporter vieux document 1. Ah oui, bah on va... Oh my, you've already fulfilled the requirement. Voilà, on a déjà fait cette mission. Chasse aux ombres 2. Most excellent. Now... Voilà. Récupérer le vieux document. Il semblerait que ce soit déjà fait pour celle-ci. 10 000 yens, ça fait plaisir. Du coup, récupérer le vieux document 2, apporte-moi de la résine de sapin. Va voir ce que vaut la voyante, apporte-moi un Juzumaru. Ok. Apporte une persona de niveau 13 ou plus. Ouais. Chasse au trésor, accomplir, ouvrir 50 coffres. Et apporte-moi une boisson protéinée. Ok. Bon, bah...
En vérité, mon amour pour la poudre de soja n'a pas d'égal. J'ai entendu dire qu'un objet appelé résine de sapin ressemblait trait pour trait à la poudre de soja que j'aime tant. J'ai également entendu dire qu'on l'utilise pour le tir à l'arc. Tu es au courant ? Bon bah voilà, ok. Alors pour les autres... Ok, pour les autres missions, il n'y a pas d'échéance. Très bien, très bien. Ok, ok. Utilisez la prédiction rareté qui augmente le nombre d'ombres rares. Ok. Juzumaru. Ouais, ouais. Bon, ok, pour l'instant. Je voudrais t'informer de quelque chose. Un changement s'est récemment produit dans Tartare. Il semble qu'une voie bloquée jusqu'à présent soit désormais ouverte. Je te souhaite une plaisante exploration. Elisabeth a dit qu'un chemin bloqué jusqu'ici s'était ouvert. Je devrais jeter un œil lors de ma prochaine incursion à Tartare. Ok. Bon. On pourrait aller au Tartare. C'est vrai, on pourrait aller au Tartare. Pourquoi pas? On pourrait aller au Tartare, pourquoi pas? Du coup. Marvelous. Ah oui, on peut lui demander aussi. À propos des requêtes, parler, non, c'est bon. Alors, chasse aux ombres, récupère le vieux document 2, va voir ce que vaut la voyante, apporte-moi... Ouais. Ah oui, bah oui, c'est toujours la même chose. Apporte-moi une boisson protéinée. Ouais, d'accord. Bon. Te fallait-il autre chose? Non. Bah du coup... Alors, attends... Est-ce qu'on va au Tartare ce soir? On pourrait aller au Tartare ce soir. Parce que c'est vrai qu'un nouveau chemin s'est ouvert. Donc du coup, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de nouveau message. Stats. Ou alors on attend un peu. Attends, voyons voir un peu ce que ça donne ici. Ouais, y'a rien. Bah on pourrait en fait aller au Tartare. Ici. Oh yeah. Alors, acheter une arme, une armure, des chaussures, acheter un accessoire. Got some new things. Alors, petite écharpe, résiste. Y'a pas grand chose. Cardigan tricoté, chemise habillée. Alors, agilité, protection légère. T-shirt résistant par balle. J'avoue que... Attends, je paye. I hear the number of apathy syndrome cases is dropping. You kids, huh? Made it good. Voilà. It's all yours. Équipé. Et puis pour Yukari, prendre protège torse, protection légère et efficace pour le torse. On va lui donner un côté. Voilà. It's all yours. Voilà. All done here. C'est bon. Come back soon. Ouais, comme ça on peut... On va aller à Tartare ce soir, je pense. On va aller à Tartare. Ah, il y a un truc qui se passe. Il y a un point d'exclamation, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Ah, Yukari, il y a un point d'exclamation, voyons voir. Ça va? Maintenant que j'y pense, Elisabeth m'a demandé de lui fournir un objet particulier. Hein? Quoi? Tu cherches de la résine de sapin? Pourquoi je me baladerais avec un truc pareil? Ah attends, tu parles de la poudre qu'on utilise au club de tir à l'arc? Le truc jaune? On s'en sert pour l'entraînement, ça part vite. Je vais regarder s'il m'en reste. Résine de sapin. J'en ai trouvé, tiens. Si tu en mets trop, ça devient collant, alors attention. Hein? D'accord, c'est pour la mission. Ok, pour la requête. Très bien. Je comprends mieux. Et donc là, si je retourne voir Elisabeth pour lui donner la résine,
Good day. À propos des requêtes. Here are my requests. Wonderful. Semblerait que tu aies satisfait une requête. Un instant, s'il te plaît, je vérifie. C'est de la poudre de soja que tu as là. Ah non, ça doit être la résine de sapin que j'ai demandé. Effectivement, cela ressemble à de la poudre de soja. Celle-ci ressemblant que même moi, une experte en poudre de soja, je ne verrais pas la différence. La récompense pour cette requête sera de la poudre de soja. Fais-toi plaisir. Excuse-moi, je saupoudrerai un plat de poudre de soja tout à l'heure, alors prends cette récompense. Arc jouet. Ok. Apporte-moi une console portable. Connais-tu un appareil appelé console portable? J'aimerais que tu m'en apportes. On raconte que c'est un objet très dangereux mais aussi très apprécié. Cet objet est bien mystérieux, manipule-le avec précaution. Ok. Alors, on a reçu un arc jouet. Décoche des flèches à ventouse. Si elle touche, elle laisse une marque de ventouse. Alors, ça donne beaucoup plus d'attaque, mais ça baisse un peu en précision. Ok. Du coup, dans la ville. Ah, on doit retourner au salon. Et là, on doit aller voir Junpei. Yo, ça roule. Maintenant que j'y pense, Elisabeth m'a demandé de lui fournir un objet particulier. Oh, tu cherches une console portable? T'as accro aux jeux vidéo maintenant? C'est parce que je t'avais prêté ce jeu la dernière fois, hein? Je peux te filer ma vieille console si ça te va. Dernièrement, j'utilise que le nouveau modèle, il est plus fin. Et ça sert à rien d'avoir deux fois la même console. Attends, je vais te la chercher. Voilà, tiens, on se fera un match un séjour. Je te prends quand tu veux. Ok. Allez, on retourne voir Elisabeth. Fais des petites missions, hein? Alors, à propos des requêtes, je te fais le rapport. Il semblerait que tu aies satisfait une requête. C'est une console portable. Certains de nos mécanismes seraient spéciaux et feraient perdre toute notion du temps au joueur. À première vue, ça n'a rien de spécial. Peut-être que cet appareil émet une sorte de rayon quand il est allumé et que la mémoire est... Excuse-moi, mais je vais refuser cet objet. Merci de me l'avoir apporté, mais tu peux le reprendre. Prends cette récompense. Gilet pixel. Ok. Très bien, très bien. Very well. Alright, alors j'ai reçu un gilet pixel. Alors, gilet pixel PC plus 10. Un gilet qui rend nostalgique avec son design 8 bits. Que pour les hommes. Alors, t-shirt camouflage, gilet pixel. Bah, on va le mettre sur nous. Hein. Voilà. Au niveau des stats, ouais, voilà, c'est bien, cool. Jack Frost, Aramitama, Mokaine, Onmoraki, Ange, Furnace. Ok. On va aller à Tartare. Ouais, je pense qu'on va aller à Tartare aujourd'hui. Si possible. Alors, ouais, je me dis... Ok, il y a un problème. Quel est l'état de chacun? Tout le monde peut sortir ce soir, il y a autre chose. Eh ben, on va à Tartare ce soir. Yes. Allez, c'est parti. Allons à Tartare ce soir. L'objet tarot de la papesse réagit. La carte de l'arcane majeur de la papesse a été ajoutée au tirage de cartes. La papesse. Les dégâts de l'assaut général augmentent jusqu'à ce que vous quittiez Tartare pour la journée. Ok. Je t'attendais. Peux-tu m'accorder une seconde? Il m'incombe de te féliciter pour ta récente victoire. Ta puissance continue de grandir, il semblerait. D'ailleurs, en parlant de puissance, je me dois de te demander une chose. Connais-tu les arcanes majeures? Oui. Pour parler par métaphore, les arcanes majeures sont les plantes initiales qui aideront ton jardin de capacité à pousser. Après avoir éliminé une ombre particulièrement puissante, ces arcanes majeures t'apparaîtront sous forme de cartes. Il serait dans ton intérêt de récupérer ces cartes. Lorsque vous obtenez une carte spéciale après être sorti vainqueur d'un combat difficile, une nouvelle carte des arcanes majeures sera ajoutée au tirage. L'arcane majeur, ce sera une ressource très utile à partir de maintenant. Très bien. Good day. Je vais accepter quelques requêtes.
Alors, éliminer 300 ombres, utiliser la prédiction rareté qui augmente le nombre de... Ah putain, j'aurais... Ouais, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû aller voir la voyante. J'aurais dû voir la voyante et demander la prédiction rareté. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. Apporter une personne à niveau 13, chasse au trésor, à accomplir, ouvrir 50 coffres. Ouais, ça devrait le faire. Apporte-moi une boisson protéinée. Ouais. Éliminer 300 ombres. I will await a report of success. Et récupère le vieux document. Ouais, vas-y, on va rester avec ces deux-là pour l'instant. Very well. Et du coup... On est que nous trois pour l'instant encore. Si nous sommes tous encore ici aujourd'hui, c'est grâce à ta réactivité sur le monorail. Étant donné ta capacité à réagir en cas d'imprévu, tu pourrais bien avoir l'étoffe d'un chef et pas uniquement d'un utilisateur de Persona. Je vais rester ici en soutien, puis-je faire quelque chose pour toi? Non, ça va aller. Ce qui se passait dans le monorail, c'était un truc de fou. J'aimerais bien en faire un script pour une série télé ou un truc du genre, mais j'y arriverai probablement pas. C'est dommage. Je parie que ça aurait envoyé du lourd. Allez, on y va. Et si cette ombre dans le monorail était bien plus forte que toutes les autres qu'on a combattues, hein. J'espère qu'on ne va pas en rencontrer d'autres quand même. Allez, hop, ok, on va continuer. By the way. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit, que Tartare divisé en différentes zones? Eh bien, grâce au pouvoir de Pentessilé, j'ai capté un signal inhabituel juste après le 20e niveau. Quelque chose a peut-être changé, j'aimerais que tu t'y rendes pour vérifier ça tout de suite. Allez, hop. Just leave everything to yours truly. Bien, on y est. Comme je le pensais, cet étage est... Je ne détecte aucun ennemi. Tu peux jeter un œil dans les environs, mamma mia, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, alors sois prudent. C'est quoi ces secousses? Attention. C'est fini? C'était quoi ça? C'est une chose de savoir que Tartare se modifie tous les jours, mais le voir de ses propres yeux. En tout cas, le chemin s'est ouvert, essayons de poursuivre l'exploration. Quant à notre prochain objectif, je ne peux qu'imaginer qu'il y aura une obstruction similaire devant. Essayons de l'atteindre, je compte sur toi. J'aimerais bien que ça se mette pas à vibrer d'un coup. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai peur de ce qui pourrait nous attendre encore. Mais comme le chemin s'est ouvert, j'imagine qu'il faut continuer. Alright. Je sens quelque chose de différent à l'étage supérieur. Je sens quelque chose de plus puissant. Comme une volonté tangible. Prudence. J'espère qu'on ne va pas tomber sur des bizarres. Alors, 1710 yens. Ouais, c'est quand même bizarre comme, comme endroit. Hey, let's loot that jet. Alors, Garou, hein, ou plus XP. Vas-y, on va prendre Garou. Ok, encore de l'argent. J'ai envie, une fois un peu, de changer d'équipement. On va prendre les tenues fantômes. Et donc, voilà, on s'en met dans la peau de, du protagoniste Joker. Yukari qui a la tenue de Han Takamaki. Et Junpei qui a la tenue de Ryuji Sakamoto. Donc de P5. Alors ici, il n'y a rien. Ok. Mais alors aussi, normalement,
on s'est changé les musiques, si je dis pas de bêtises. Tutoriel, config, dictionnaire, chargé, config. Permet de système de jeu. Donc voilà. Ajustement auto de la caméra. Faire péter une carte avec la caméra. Ah voilà, changer la musique des combats par défaut. Ah voilà, on peut mettre autre chose. On peut mettre toutes les autres musiques. Reach out of the truth. Voilà, time to make history. I'll face myself. Ah là là. Allez, on va se mettre un peu de la surprise dans les combats. Attends. Paramètres système de jeu. On va se mettre un peu de la surprise. Attends. Qu'est-ce que je fous? Alors, système. Config. Paramètres système de jeu. Voilà. On met la surprise. Quitter, sans appliquer, je rejoins. Non. Fichage et tous. Allez, on se met un peu de musique de P5. Donc la surprise. Ah, on a trouvé les escaliers. Mais on n'a pas tout visité. Donc. On va voir. Running around like a clown. There's two. Here's your chance to attack. Pull the trigger. Résiste. Oh, que tu existes. Okay, let's keep on exploring. All right, we've covered everything. Two targets. You can handle them. I have to do this. Alors, argent. Nailed it. Nice going, Junpei. Est-ce qu'on a tout visité? Je pense que oui. Ouais, on a tout visité. Allez, on va à l'étage du dessus. Le terrain est sacrément accidenté. Ouvrez l'œil pour ne pas vous laisser avoir par les angles morts. Alors, je détecte une ombre rare. Ah oui, elle est là. On va attendre qu'elle se retourne. Mao trésor, attends. Mao trésor, attends. Encore.
Ok. This may be a good test of your skill. What's the plan? Ah bah il a fui. Bon. Ok, let's keep on exploring. J'ai envie un petit peu de changer de nouveau. On va se remettre Yasugami. Et alors on va se mettre une musique de P4. Alors, hop. Attends. Changer la musique des combats. Non ! Oh là là, je me trompe tout le temps. Je vais appuyer sur là et j'appuie sur le mauvais bouton. Donc, config. Alors. Texture to the show. Ouais, on change. Voilà, on s'est remis dans la peau de P4. Hey, doesn't that chest look kind of different from the others? Alors, on va ouvrir ce coffre. Rakunda. Ok. Donc on a obtenu la carte Rakunda. Parfait. Let's go! Obtenez archange personnel arcane de justice. What? Archange, faible à la foudre et aux ténèbres, résiste au physique et annule les dégâts de lumière. Ok, ça peut être intéressant. Attends, on va laisser l'ombre tranquille. Maragi. Ah ouais, je suis faible. Je suis faible au feu. Du coup. C'est bien ça, Junpei. Licorne. Allez hop. J'aime Maragi. Ah ouais, il y a quelque chose par là-bas.
We could head back, but it's your call. Ah, ok, on a le téléporteur. Alors ici, il y a rien, non, il y a rien. Ah, il y a une ombre par contre. Shadow Fox. Bon, pour l'instant ça va, hein. Omokaine, tiens. L'argent. Tiens. Équiper. On va se remettre en tenue fantôme. Et alors on va mettre aussi une musique que j'aime bien de P5. Config, c'était ça. On va prendre Takeover. Voilà. Hop. Voilà. On va prendre Takeover. Il y a un gardien à niveau pas très loin d'ici. T'es-tu soigné récemment? On dirait qu'il y a un coffre rare à ce niveau-là. Effectivement, un shadow. Alors. Résiste au vent. Du coup, persona. Alors, voici la foudre. Il résiste à la foudre, d'accord. À mon avis, il résiste au feu aussi. Hein. À mon avis, est-ce qu'il envoie du feu? Ah, il bloque le feu, carrément. C'est virage. Puissante taillade. Raté. Du coup. Ah, peut-être tu es faible à la lumière. Ça, c'est possible aussi. Alors. Ok. Donc t'es faible à la lumière. Oh, l'arcane majeur. Les dégâts de l'assaut général augmenteront. Vas-y. Attends. Avant toute chose. Objet. On va te donner une poudre médicinale. Un coup de soin ici. Is that treasure? Attends, laisse l'ombre. Voilà. Yes, we have the advantage. That's an enemy down. Good job, Takeba. You take it from here.
to do. The enemies are on a roll. Let's go. On va faire plus de dégâts grâce à l'arcane majeur qu'on a pris. Jack Frost, XP augmenté ou Garou? Ouais, vas-y, on donne de l'XP à Jack Frost. Parfait. On a du pognon. Boucle d'oreille tonnerre. Alors, on va voir un peu ce que ça fait. C'est pour Yukari, j'imagine. Ah, c'est accessoire. Ouais, je suis bête. Alors, boucle d'oreille tonnerre, ça réduit les dégâts électriques. Ah bah, on pourrait le mettre sur Yukari parce qu'elle est faible à l'électricité. Donc, des boucles d'oreilles qui réduisent légèrement les dégâts électriques reçus. Vas-y, on te met sur toi. Parce qu'elle est faible au tonnerre, enfin elle est faible à la foudre, donc ça peut nous servir. Alors, qui a réploré? Résiste. Faible au feu. Ok. Chimère et Garou. Ouais, vas-y, on prend Chimère. Ah, j'ai trop de Persona sur moi. Il faut que j'en libère une. Julien, Jacques Frost, Macliné, Aramitama, Onmoraki, Ange, Fornus. Ouais, je vais enlever Licorne pour l'instant. Voilà. Homoncule. Ça c'est intéressant, l'homoncule. En gros c'est un truc qui nous permet de survivre à une attaque fatale. Donc ça c'est cool. Alors, est-ce que j'ai tout visité? Non, j'ai pas tout visité encore. We got ourselves a shadow here. Changement. Archange. Allez, c'est parti. Archange, soutien ou Iha. On a déjà Archange, donc ouais, je vais prendre la carte de compétence Iha. Alors. Un seul ennemi.
Licorne, on a déjà eu. Garou, on restaure nos PV. Vas-y, on restaure nos PV pour une fois. Vas-y, on va se remettre. On va se remettre les. Changer. Hop. On va remettre par défaut. Vous savez quoi? On remet par défaut. Non, pas dictionnaire. Équiper. On va se remettre. On se remet l'uniforme de Yasugami. J'aime bien l'uniforme de Yasugami. C'est cool. Alors, on a tout visité. Oui, on a tout visité. Alors, on va à l'étage suivant. Alors ici, carapace. Look at it, wandering around like a clown. Alors, ah oui, ici est l'ombre. Bah heureusement que j'ai pas trop traîné parce que sinon l'ombre allait me target. Archangel. XP, archange ou soutien au combat. Allez, vas-y, je donne un peu d'XP à archange. Oh. Ange qui gagne résiste charme, parfait. Et archange qui gagne Tsukugaja, parfait. Perfecto. Aha, perfecto. Non, on venait de là, du coup. Hey, let's loot that chest. Alors ici, faible au feu. Ok. Let's do it! L'argent. J'aime ma Garou. Ok. On a tout visité, oui, d'accord. Ah! Je détecte un ennemi puissant droit devant, restez vigilant! Cet ennemi est unique, si seulement il y avait un moyen d'obtenir des infos sur lui en avance. Peu importe, quand le combat est engagé, je peux analyser nos ennemis. Utilise ces infos à ton gré, emploie-les de manière stratégique et tu seras sûr d'avoir le dessus. Mais, avant toute chose, on va retourner tout en bas. Voilà, voilà. On va aller à la Velvet Room. On va enregistrer
nos Persona. Welcome to the Velvet Room. Alors. Enregistrement. J'enregistre tout. Ensuite. Fusion. I too have you all the elements you need. Well then, shall we take a look? Du coup, Lilim, Inugami. This persona is powerful. Posma, souffle tétit. J'avoue qu'on en aura besoin. C'est 4. Forneux Archange, Valkyrie. This persona is powerful. Alors, Valkyrie. J'avoue que ça peut nous être utile. Slime. Tamlin. Ouais, mais c'est niveau 13, donc je pourrais pas. Le pendu. Inugami. Ange et Forneuse. This persona is powerful. Ouais. Ben écoute. Inugami, ça pourrait nous être utile en fait. Notamment pour avoir Persona. Enfin, pour le lien social notamment, on en aura besoin. Du pendu. Je vais attendre un petit peu. Du coup. Valkyrie. Est-ce que Valkyrie, je prends. This would be a wise choice. Forneuse et Omokaine. Alors, puissante taillade, buffu, dérobat de taillade, Otosoku Kaja. Ouais, j'avoue que ça peut nous être utile, hein. Avant Valkyrie. Alors, on va prendre quoi? Ben, comme t'as accès physique, on va prendre agression, flèche sacrée, rébellion et se donner des dégâts de d'attaque. It seems you have been blessed with some. Why, this is exciting, isn't it? Je suis Valkyrie, le champ de bataille nous appelle, partons en guerre ensemble. Parfait. Hop. Ok. Alors, du coup, donc on a Archange, Jacques Frost, Aramitama. Attends. On a deux personnages de l'Arcane Chariot. Ouais. Très bien. Alors, qui ? Chimère. Donc toi tu résistes aux dégâts de frappe, dégâts de feu, mais tu es faible face aux ténèbres. D'accord. Ouais, d'accord. Attends, mais du coup, je regarde, toi tu fais des dégâts de lumière, dégâts de glace, dégâts de frappe et de feu, et aussi tu peux baisser, ouais, ok. Charizumal, Taranda, Sukunda, ok. Tu peux faire des dégâts un peu de Garou, ouais, ok. Du coup, à mon avis, je crois que je vais
Enfin, je vais essayer de fusionner Aramitama avec quelqu'un. Parce que bon, Aramitama, on a vraiment besoin pour l'instant. Alors, fusion de Diade, Aramitama. Si on le fusionne avec Archange, ça devient Jack-O-Lantern, mais il faut être niveau 15. Lilim, Jack Frost et Nigimitama. This persona is powerful. Alors, Media, Garou, Beizudi. Ah ouais, mais à mon avis, peut-être qu'on va, on va garder. Peut-être. This would be a wise choice. Histoire de d'avoir peut-être Otosubu Gaja niveau 12. Ouais, c'est peut-être mieux. Ok. Enregistrement, non. Invocation. Alors, du coup, on a. Ah! Licorne. Alors. Does that persona catch your eye? Forneus. This persona, yes. Taro Kaja, Taranda, Rakunda, Sukunda. Oui, c'est vrai que toi, t'as tout. Hein. Amakaine. Dio, Dia, Bufus, Kukaja, Rebellion. Please take a look. Bufus, Agression, Flèche Secrète, Orgaja, Taranda, Rakunda, Sukunda. Ah, il y a tellement de choses, tellement de choses. Kainé. Bah pour l'instant, ouais, je peux attendre un petit peu parce que on n'a pas vraiment besoin pour l'instant, je pense. Parce que je crois qu'on a une persona qui fait des dégâts de foudre. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Je dois avoir... Ah oui, voilà, c'est Onmoraki qui fait des dégâts de foudre. En fait, il faut faire gaffe parce que avec lui, je peux prendre cher avec des attaques slash. Ok, ok. Très bien, très bien. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait plus d'1h20 qu'on est ensemble. Donc, hop, on enregistre. Et donc, on se réservera le sous-boss pour la prochaine fois. Donc, système, écran titre. Alright. Enfin, voilà, donc c'était une nouvelle vidéo sur Persona 3 Reload. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important, bien évidemment. C'était Mario Hero, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.